c'est la grâce du Seigneur. Bien aimé, j'avais monté le niveau. J'avais suivi toutes les formes de formation. J'ai appris à écouter les musiques célestes. J'ai appris à faire des méditations transcendantes. J'ai appris à être ce qu'on appelle le dédoublement. J'ai appris les voyages astrales. J'ai appris comment maîtriser la pensée de l'homme. Et avec cette possibilité, j'étais reconnu comme un maître. Écoutez, plus qu'on évolue dans le monde des esprits, on dit qu'on nous dépendait des véritables disciples de Jésus. Mais durant le parcours, on change pour dire qu'on pouvait être égal à Jésus. Et à la fin, on nous disait même que Jésus a joué sa mission, nous pouvions accomplir la mission que Jésus a joué. S'il y a un Jésus qui a échoué, c'est le Jésus de l'air mort. S'il y a un Jésus qui a fait la mission partiellement, c'est le Jésus de l'air mort. Mais notre Jésus, le Jésus de Nazareth, il a dit à la croix, tout est accompli. Yes, oh yabiso, Yesu à Nazareth, alors qu'il ne coule souhaité, Yonso et Kokisami. C'est-à-dire, il avait achevé sa mission. Aucune Nyota ne pouvait résister pendant que lui expirait déjà. Et l'Ikolaboete, Ye a Kokisa qui monsala na ye. Et dans les locomotés, et au cas où tel est manibosone, tant où est sa sa qui monsala. L'ordre mystique fait que l'homme entre en contact avec les démons. Molongoya solo, Kaiso Salaboete, Motoa Kota na boyo, Kaina Bokuta et na démona. Et dit automatiquement, plus que vous évoluez, vous devenez aussi un démon vivant. Mingi mingi ozo koba ozo kende yopozo koma démon na wazo bika na bomoi. Alors j'avais atteint le niveau tel que je devenais un démon. Na koma ki ne bimelo ya koma démon. Je vous avais dit que j'avais la capacité de me transformer en un petit enfant même pendant un mois. Na, on voyait un petit enfant. Na yisa ki bino bwete na zaki na makoki ya komi komi satan mwa na moke pona sansa moko ngai na komi mwa na moke. Mais ça arrivait que quand j'entrais dans un quartier, et donc ça la bwete ta na zo kota na ba quartier moko, je n'avais pas besoin de demander les noms aux gens ou ce qu'ils faisaient. Na zaki na ti na ti a kotu na ba kombo ya ba dotope o ba zo sal. La nuit à minuit, je faisais mes invocations. J'appelais tous les esprits des gens du quartier défiler devant moi. Et les esprits des gens défilaient devant moi avec les étiquettes. Et sur chaque étiquette, on avait écrit les noms, la fonction et la puissance qui possédait l'homme. Mais étiquette tout bien macaron wana et ça là qui n'a combo ya moto. Mosala penguya moto ça na yango. Je pouvais voir quelqu'un passer écrit Mukunz sorcier. Je crois que dans ce quartier il y a un Mukunz qui est sorcier. Na vrai comme moi na macaron wana moto moi comme moi na Mukunz azandoki na ibete oyo azala quartier azala Mukunz qui est pas azandoki. L'autre qui passe est écrit Kabongo et Kabongo c'est écrit Neyan. J'ai compris qu'il y a un Kabongo ici. Il n'a rien, il n'a pas de puissance. Je pouvais voir l'autre passé, André, c'est écrit magicien. Je sais déjà que dans ce quartier, il y a un André qu'on appelle magicien. Parce qu'un homme mystique, même un sorcier, quand il entre dans un quartier, dans une maison, dans une personne, ou dans un coin, il ne peut jamais passer la nuit sans tester les gens de ce coin-là. La première chose de faire, c'est de tester, savoir quelle est la puissance et la qualité des gens qui existent avec lui. Et donc, quand il bosse, c'est que ça les a coyeba. Le lengeni ni yamako ki penguya bato akarte wana bazana yango. Vous devez comprendre que c'est une grâce si vous êtes en bonne santé
Parce qu'il y a des milliers de sorciers qui vous testent chaque nuit. Mais à cause du Seigneur, vous résistez encore. Non seulement qu'ils testent, ils en foutent, ils en sorcellent. Kakate bazo loka. Alors j'avais remarqué qu'il y avait trois esprits qui n'étaient pas venus répondre à mon appel. Alors j'ai commencé à vérifier maintenant charnellement. C'était trois jeunes garçons qui étaient des intercesseurs. Bien aimé, l'homme qui est chez Jésus, même si on l'appelle, quelle que soit la qualité de l'homme qui l'appelle, quelle que soit la puissance de l'homme qui l'appelle, si tu as dit que c'est Jésus, ton esprit ne répondra jamais. Moto oyaza na ngambo ya Yesu, atako bazo benga yo, atako mosozo benga za na nguya ndenge nini, atako za ndenge nini, molimo na yo, loko ne fait pas na Yesu, eko ya na la tena mbela wana. Quel que soit le nombre des esprits qu'on peut utiliser, si tu as dit côté de Jésus, le Seigneur Ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable, si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Écoute ce que le psalmiste dit. Écoute ce que le psalmiste dit. Il dit, même si les eaux, les fleuves débordent, attaque au bambou, biba les eaux tonna. Malgré le débordement du fleuve, il ne sera jamais atteint. Celui qui est en Christ, il est intouchable, incontrôlable, insaisissable. Quel que soit le nombre des esprits qui peuvent te combattre, s'il ne peut pas les craindre, parce que notre Dieu, il est écrit qu'il est le roi des esprits. Et comment comme il est le roi des esprits, c'est celui qui est le dernier mot si tout explique. Alors, oui, les esprits de ces garçons ne sont pas arrivés. Mais quelles étaient les conséquences? Alors, les 20 garçons que j'avais appelés, qui avait défilé devant moi, devrait subir des conséquences. Alors, quelles étaient les conséquences? J'ai hypnotisé ces jeunes garçons-là. Donc, j'avais la capacité d'endormir quelqu'un pendant la journée. Et cela, souvent, on le fait à partir de la puissance des lumières que dégagent les yeux. C'est pourquoi vous verrez souvent les grands sorciers, quand ils les fixent, qui est un homme de prière, il va commencer à t'intimider. C'est parce qu'il a ébloui la puissance des lumières qu'il possède. Alors, je prenais ces 20 garçons restants. Je les ai amenés de Lubumbashi à Kasumbalesa. Pour aller charger les remorques de farine. Et ils ont travaillé toute la journée. Je les ai ramenés encore à Lubumbashi pour les faire décharger ces camions. Frère, si tu n'as pas le Seigneur, on peut t'utiliser comme une bête de somme.
esclave. C'est-à-dire, les gens pensent toujours que le monde de Satan s'arrête au fait d'ensorceler les gens. Non. Mais dans le monde mystique, on utilise un homme physique. Comme tu es là, on peut utiliser et tu travailles pour quelqu'un pendant des mois et des mois. J'ai vu les gens travailler toute la nuit pendant que les autres sont endormis. On vient les réveiller maison après maison. Comme on connaissait les gens avec leur nom, je pouvais arriver à la maison et dire: André sortait, il sort. Richard sort, il sort. Tel sort, il sort. Et souvent la nuit, on le faisait sortir. Et je vais le faire travailler toute la nuit. Et le matin, quand vous vous réveillez, vous sentez que le corps est tellement fatigué. Vous avez des douleurs partout. Vous vous demandez: mais je ne sais pas pourquoi je me suis réveillé avec des douleurs. Alors que la nuit, vous étiez un chargeur, un débardeur. Donc, na butu yo zali kipena mo memi bakoli yo zo kiti yo zo toni sa misus. Bien aimé, si ces choses ne nous arrivent pas, c'est par la grâce du Seigneur. Jésus est tellement bon. Jésus est tellement merveilleux. Parce qu'il nous assiste au moment où nous sommes dans l'ignorance. Le monde de Satan travaille sérieusement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que je puisse contrôler aussi les cas de ces trois personnes. Alors, j'ai commencé à vérifier. La première chose, je vous ai dit qu'il fallait observer l'intensité de la capacité de lumière qu'il dégageait. La Bible nous dit avec Ephésiens chapitre 5, le verset 8. Ephésiens chapitre 5, verset 8. Il dit que vous êtes la lumière et vous êtes les enfants de la lumière. Dieu accompagne son oint par la lumière. C'est pourquoi quand vous lisez Jacques dit: il est le père des lumières. Pour ceux qui aiment vérifier, c'est Jacques chapitre 1er, le verset 17. Jacques, alors, il fallait maintenant vérifier l'intensité des lumières. Écoutez, Yoka, un enfant de Dieu, moi, dans l'ensemble, à part les lumières des yeux qu'il dégage, il a une nuée qui le couvre. C'est une nuée lumineuse. Cette nuée fait que si ces lumières des yeux sont un peu en diminution, les nuées font que ça puisse augmenter la puissance. Et il y avait aussi d'autres personnes, ils avaient des lumières intenses, mais ils n'avaient pas de nuées. C'est pourquoi vous remarquerez que les yeux est l'organe principal par lequel les démoniaques dominent les gens. Et par les yeux, ils peuvent même se reconnaître. Lorsque l'un sait que l'autre est plus que lui, il ne va pas lui fixer le regard. Je pense que Bomonaki. Un jour vous avez vu le président de ce pays, je ne vais pas citer les noms, l'un ne regardait pas l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a dit que nanguya, ce qui n'a talié à miso. Parce qu'il savait que celui-ci est plus que moi par la puissance. Lorsque je lui fixe le regard, il va me dominer. Alors,
Quand j'allais regarder, j'ai découvert que parmi les trois, dans mon atelier,